les enfants. Mais jardin biologique, ça veut dire quoi? Qui peut me dire ça? Oui? Des fruits aussi, oui. Où on peut trouver des graines. Oui, on peut trouver des graines, c'est vrai. Mais c'est pas ça que ça veut dire. Alors, je vais vous le dire ce que ça veut dire biologique. C'est que ici, on n'utilise pas de produits chimiques qui sont fabriqués avec du pétrole. On n'utilise que des produits naturels. On utilise des engrais naturels qui sont fabriqués à base de plantes. Donc ici, nous sommes à Corbeil-Essonne, en banlieue sud de Paris, à 30 km de Paris, très exactement. Donc nous avons depuis 2004 une activité pédagogique sur un terrain de 1500 m². L'objectif va être de faire découvrir le monde du vivant à travers le jardin potager. La journée va se dérouler par une visite du jardin et deux ateliers, un autour du jardinage et puis un autour de l'observation des animaux. C'est derrière moi où tout finit et où tout commence. Je vais écarter la paille. Regardez. Voilà. Et on voit que dans le compost, il y a des petits animaux et il se nourrit des déchets du jardin. C'est lui qui les transforme en compost. Eh bien, le compost sert à nourrir les plantes du jardin. Et elles sont même mieux nourries qu'avec les engrais. On continue? Oui. Très bien. On va passer près des ruches, oui, tout à l'heure. Je pense qu'il est indispensable, à l'époque où on vit, où il y a beaucoup de problèmes de climat, où il va y avoir une pénurie énergétique, c'est indispensable de recréer des zones de maraîchère en périurbain autour des villes. Et donc ça s'inscrit tout à fait dans ce projet. Et donc pour moi, c'est vraiment quelque chose de positif et qu'il faut qu'il se dilue dans toute la France, que partout, il y a des zones de maraîchage qui se recréent autour des villes. Et donc ça recrée un lien direct avec la population. Et la population qui souvent a un peu perdu le sens à la terre, donc retrouve des légumes anciens, ils retrouvent des tas de choses qui leur permettent de recréer le lien avec les producteurs. Vous me suivez? Ça y est, tout le monde est arrivé? Dans le jardin, il y a 5 hérissons qui vivent. Et le hérisson, on l'aime bien dans le jardin. Parce que ça mange des escargots et des limaces. Comme ça, on n'a pas besoin d'utiliser des produits dangereux pour tuer les limaces. Alors ça, c'est un nichoir à insectes. Et il y a 2 insectes qui vont dans ce nichoir. Les petits morceaux de bois creux, c'est du bambou. Et ça, c'est pour les coccinelles. Les coccinelles viennent hiberner dedans. Et les coccinelles, on les aime beaucoup au jardin parce que Ça mange quoi d'ailleurs? Qui peut me dire ça? Oui? Ça mange des petits insectes qui s'appellent des pucerons. Ah oui. Exactement. Et puis, il y a, donc sous le pot là, il y a quoi? De la paille. Eh bien ça, c'est un nichoir pour les forficules. On l'appelle aussi le pince-oreille. Ah, vous voyez que vous le connaissez? Le pince-oreille, ça mange des vers, donc on a beaucoup moins de vers dans nos pommes, dans nos fruits. Nous sommes ici pour parler de ce qu'il y a derrière moi. Alors derrière moi, c'est quoi? Les abeilles. Donc, il y a des ruches. Alors pourquoi est-ce qu'elles sont utiles? Pourquoi est-ce qu'elles sont intéressantes? Les abeilles, lorsqu'elles vont chercher le pollen et le nectar, elles font comme vous quand vous rangez votre chambre, elles s'en mettent plein les bras. Quand vous avez plein de jouets dans vos bras, qu'est-ce qui se passe? Ça tombe. Ben, les abeilles, c'est la même chose. Quand elles ont plein de pollen sur leurs pattes, eh ben, à un moment donné, il en tombe. Et quand il en tombe, eh bien, certains grains de pollen tombent sur une autre fleur et elles font ce qu'on appelle la pollinisation. Et donc, s'il n'y avait pas les abeilles, on ne pourrait pas manger de fruits. Je suis retraité. Et je suis bénévole au jardin potager. Je fais ça parce que j'aime beaucoup le jardinage et je trouve que c'est un excellent exercice pour la santé. C'est un jardin très convivial, on est une dizaine de personnes qui y travaillons. On fait des plans pour nous-mêmes et on aime, en plus, on aime beaucoup les légumes bio. La salade de papy.
Alors, les enfants, pour l'atelier d'observation des animaux, je vais vous demander de vous asseoir. Je vais chercher le premier animal. Bien. Alors, quel est cet animal? Comment on peut savoir que c'est un lapin? Parce qu'il mange des carottes. C'est doux, hein? En ce qui concerne l'agriculture biologique, c'est aussi une nécessité. Aujourd'hui, on sait par exemple pertinemment que l'agriculture industrielle est responsable, je ne veux pas jeter la pierre aux agriculteurs, mais on retrouve des pesticides dans les captages d'eau potable. Et donc le simple fait de modifier les techniques culturales et d'employer des alternatives à la chimie permettrait à terme de pouvoir recouvrer des eaux potables avec des taux de pesticides relativement bas.